savez que le taux de pénétration d'Internet au Sénégal est très fort et beaucoup d'enfants ont accès à ce formidable outil qu'est l'Internet, mais qui malheureusement a beaucoup de dérives et qui fait que les enfants sont malheureusement la proie de prédateurs qui peuvent avoir accès à ces enfants-là, parfois sous la forme, en se cachant derrière des visages d'enfants et qui peuvent exploiter sexuellement les enfants. Donc nous avons voulu, dans le cadre de la stratégie nationale de protection des enfants du Sénégal, mettre à la disposition de tous les enfants sénégalais, mais particulièrement des adultes également, un mécanisme qui puisse permettre à tous les citoyens, quand ils verront un contenu inapproprié sur Internet, de pouvoir faire ce signalement-là. Et grâce à notre partenariat avec Internet Watch Foundation, une ONG anglaise, de pouvoir partout dans le monde détruire de façon cela nécessite des campagnes de sensibilisation. Absolument. Aujourd'hui, nous procédons donc à l'installation une sorte de lancement et nous allons avoir durant les mois qui vont suivre des campagnes de sensibilisation au niveau national et j'en profite pour faire un appel Est-ce qu'il y a un suivi judiciaire ou il y a une collaboration avec les forces de l'ordre pour pouvoir avoir un suivi par rapport à ces cas? Absolument. La collaboration avec les forces de l'ordre, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau international, c'est elle qui va permettre de faire des enquêtes et de pouvoir, en tout cas, mettre les personnes qui sont concernées. Ce sont ces fonds-là, en tout cas, qui sont ces crimes, on pourrait dire, pour la réalisation de son associé avec tous les ministères qui sont en charge de ce dossier, mais également les États. Concerne la majeure partie de l'Internet, qui forme un grand partenariat afin de traquer ces images. Parce que la